Paris, les 26, 27 et 28 février 1981. Température extérieure entre 2 et 5 degrés. Sur la rive gauche, toujours, le quai des Grands Augustins doit son nom au couvent où Henri IV fonda l'ordre royal du Saint-Esprit, le Cordon Bleu. En face, l'île de la Cité abrite le palais de justice que surmonte la flèche de la Sainte-Chapelle. Still on the left bank, the quai des Grands Augustins owes its name to the convent where Henry IV founded the Royal Order of the Holy Spirit, the Cordon Bleu, or Blue Ribbon. Opposite the île de la Cité, stands the Palace of Justice, surmounted by its spire, the Holy Chapel. Voici les toits mauves de l'hôtel de ville de Paris. La place de Grève était là, entourée de maisons à piliers. Elle fut le théâtre des exécutions de justice et des rassemblements de sans-travail. Opposite the Quai aux Fleurs, or Quai of the Flowers, on the Île de la Cité, we see the mauve roofs of the Paris City Hall. The Place de Grève was there, surrounded by houses on pilings. It was the place of public executions and meetings of the unemployed. Frente al Muelle de las Flores, en la Isla de la Cité, he aquí los tejados malva de la Alcaldía de París. La Plaza de Grève se encontraba aquí, rodeada de casas con soportales, fue teatro de ejecuciones de justicia y de reuniones de gente sin trabajo. Sur la rive droite, la tour de Saint-Jacques de la Boucherie et la place du Châtelet, où se tiennent le théâtre du Châtelet et le théâtre de la ville. En la orilla derecha, la torre de Saint-Jacques de la Boucherie, Santiago de la Carnicería, y la plaza del Châtelet, Castillete, donde se encuentran el teatro del Châtelet y el teatro de la ciudad. À notre gauche, au centre du Pont Neuf, la statue du roi Henri IV et, sur la rive droite, le Louvre, qui, de Philippe Auguste jusqu'à nos jours, a rassemblé une des plus grandes collections de tableaux de maîtres du monde. On our left, in the center of the Pont Neuf, or New Bridge, is the statue of King Henry IV. And on the right bank, the Louvre, from which the time of Philippe Auguste to our days holds one of the world's largest collections of paintings by the old masters. A la izquierda, en el centro del Puente Nuevo, la estatua del rey Enrique IV, y en la orilla derecha, el Louvre, que desde Felipe Augusto hasta nuestros días, reúne una de las mayores colecciones de cuadros de los mejores pintores del mundo. La galería de la orilla del río une el antiguo Louvre con el Jardín de las Tullerías, donde se encontraba el palacio construido por Catalina de Médicis en 1564 y destruido hace 100 años en la época de la Comuna.
Passy et Auteuil, sur la rive droite, quartier résidentiel qui fut rattaché à Paris sous le Second Empire. Also on the right bank, Passy and Auteuil, a residential quarter which was linked with Paris under the Second Empire. Passy y Auteuil, en la orilla derecha, barrio residencial que fue unido a París durante el Segundo Imperio. Auf der rechten Uferseite liegen Passy und Auteuil, ein reines Wohnviertel, das während des Zweiten Empires Paris eingemeint wurde. Tower was erected by the engineer Eiffel for the International Exhibition of 1889. It weighs 7,000 tons and consists of 12,000 metal elements joined by 2,500,000 rivets. It was inaugurated by King Edward VII of Great Britain. Its antenna makes it the first lady of the radio waves.
Allô? Bonjour, comment ça va? Oui, c'est Alain. Écoute, je te téléphone depuis les Champs-Élysées. Il fait vachement froid. Bon, alors je te dis, je vais prendre le train. Le prochain train, je prends le Gare de l'Est. Puis j'arriverai en fin d'après-midi. Le matin? Ouais. D'accord, au revoir. Bon, à tout à l'heure. Au revoir.
Thank you.
devant mes voisins. Mais attends, j'ai rien à voir. C'est encore quelques jours, car je sors en bas d'amour, et me chez nous, c'est comme ça. Dis nous, j'ai dit en gris. Moi, soif. T'as rien à voir, là. Je vois une bouteille, elle est vide, là. Tu dis qu'on n'a pas, là. Je suis pas là pour te dire que je suis pas là.
avec l'aimable participation de Alain Longuet, Alain Micot et Jean-Paul Triot.